la fédération a protégé ces logos. Parce que ça aussi, il y a des petits malins qui s'amusent à prendre les logos de la fédération pour faire des maillots et pour faire des gadgets et les mettre en vente. La fédération a protégé donc ces logos. Et donc la fédération va poursuivre tous ceux qui vont jouer à ce jeu-là pour éviter que les choses n'aillent dans tous les sens. Sinon, après, on ne pourra rien contrôler. Ce sera l'inflation à tous les niveaux et ce sera difficile. Donc, rassurez-vous, la fédération va mettre tout en œuvre pour que les maillots soient disponibles. Ça, c'est vraiment c'est la bataille qui est en train de faire et je pense que ça va être réussi et peut-être mieux. Et le président de la fédération l'a dit récemment en réunion, il est en train de discuter avec Puma pour qu'on ait la possibilité de vendre des maillots individuellement aux Ivoiriens.